Le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu sur l'exploitation illicite des minerais à Mwenga a été adopté avec amendement après avoir été présenté dans la plénière et défendu par le membre de la commission. C'était au cours de la plénière de ce vendredi 5 novembre 2021. Ce rapport jugé très alarmant et révoltant par les honorables députés a poussé ces derniers à penser qu'il est temps de stopper cette exploitation illicite des minerais dans cette partie de la province du site Kivu. Il pense que les sociétés chinoises d'exploitation minière à Mwenga devraient être suspendues et sommées de payer des pénalités et d'indemniser la population de Mwenga, victime de cette barbarie chinoise. Mesures d'application du protocole d'accord entre la coopérative minière avec le conseil d'administration de Tondé et le groupe Cristal Service. Contrat de travail des techniciens, visa des techniciens, taxes payées par la coopérative Donné, fiches des statistiques de la production, attestation de transport des minerais, reçus des ventes de production, bon des caisses SAMAP. Projet d'adduction en cours pour la population d'eau en cours pour la population de Zougoulou, fermeture des travaux d'exploitation de la coopérative Donné. Arrêté provincial portant mesure de suspension des activités de certaines sociétés minières et leurs coopératives partenaires exerçant dans le territoire de Mwenga. Lettre numéro MINE-354-75-BMUT-KAZA-GKK-027-2021 du chef de bureau MINE, le barreau territorial de Mwenga. Et enfin, statut de la coopérative Boutonné. Pour la coopérative Mungurichiku, votre commission a exploité les documents suivants. Arrêté d'agrément de la coopérative Mungurichiku, document officiel Mungurichiku, construction d'un bac de 80 tonnes et 25 places assises sur la rivière Eila Amela. Seules les deux coopératives ont eu à déposer des documents. En ce qui concerne les documents déposés par les services publics de l'État, votre commission a eu à exploiter 1. Accusé de réception de la lettre du ministre des Mines de son Excellence Monsieur le Premier ministre Matata en 2015 relative à la suspension des activités minières le long de la rivière Ouïni-Omaniema et Sud-Kivu. Répertoire des sociétés chinoises et les coopératives minières partenaires en provenance du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Les titres des sociétés minières de la province du Sud-Kivu au 31 août 2021 en provenance du cadastre minier du Sud-Kivu. Les titres des sociétés Bango-Congo Mining, Kwangiza Mining, Mubusa Mining et Kalituga Mining en provenance du Sud-Kivu au 31 août 2021. Le tableau des suivis des paiements de la taxe sur la superficie des concessions minières exercice 2021, cadastre minier du Sud-Kivu. Éléments d'activité des coopératives minières au Sud-Kivu. Lettre de suspension des activités de régale par ESCA et Congo Blois Minerale par le vice-gouverneur du Sud-Kivu. Lettre de levée de suspension dossier régale par ESCA et Congo Blois Minerale par le gouverneur de province. Liste des coopératives minières enregistrées au Sud-Kivu en 2021. Les dépenses minières 2019, 2020 et premier semestre 2021. Liste des CEA validées en province du Sud-Kivu au 31 août 2021. Pour les différentes sociétés, pour Congo Blois Antiminéral, ils ont rien déposé comme document 1. Rapport d'activité de Congo Blois Antiminéral, gestion du personnel, création de la société, objet obligation du partenariat entre CBM et Santé, accord de partenariat entre CBM, la coopérative minière Oubi, accord de partenariat entre CBM et la coopérative minière Boutonné.
réalisation des CBM vis-à-vis du CAUAP, réalisation des CBM vis-à-vis des communautés affectées, réalisation vis-à-vis de trésors publics. Pour le groupe Cristal, ils ont eu à déposer nos chartes RESCOM, regroupement des sociétés et coopératives minières dans le réseau des concessions minières de Kamituga-Maini et Bouchoua-Maini. La lettre du directeur provincial de CEC et coordonnateur de la CNLFM-SK suspendant par mesure conservatoire les activités exécutées par le groupe Cristal en collaboration avec la coopérative minière Oudodé à Soukoulou dans la chefferie de Bordeaux. Protocole d'accord entre la coopérative Oudodé et la société Groupe Cristal Service GCS SAL. Pour l'entreprise ORC, comme document, entente entre la société Oriental Ressources Congo-SAL ORC et la communauté locale du groupement des bananes Kyungu, signé par le représentant de l'entreprise ORC, M. Paul, par messieurs le représentant du CLD et le chef de chefferie de Wamujimu, statut de l'ORC, liste d'indemnisation des champs par ORC. Pour Yellow Water, ils ont eu à déposer statut de la société minière Yellow Water, cahier des charges de groupement Banampute à la société Yellow Water Ressources SAR, arrêté ministériel portant au 3 le permis de recherche numéro 14-942. Lettre de résiliation du contrat entre Yellow Water et la coopérative Comédie. Là, ce sont les documents en annexe que votre commission a eu à exploiter pour élaborer ce présent rapport. Honorable Président, je ne saurais pas terminer ces petits mots sans pour autant louer les efforts de toute l'équipe de la commission qui a eu à travailler avec courage et abnégation pour que ce présent rapport soit effectif. Et cela, malgré des multiples difficultés rencontrées. Les 10 rapports relèvent aussi que les Chinois à Mwenga sont allés même loin jusqu'à détourner la rivière Oulindi de son lit avec comme conséquence possible la destruction de l'écosystème. Les sujets chinois sont aussi accusés par la population de Mwenga de faire usage des produits très toxiques dans l'exploitation minière. Ils utilisent aussi des engins robotiques, chose prohibée par la loi en matière d'exploitation minière en République démocratique du Congo. Dévoile ces rapports. En général, il y a des besoins de l'eau en particulier. La commission d'enquête a formulé des recommandations à différents niveaux afin de remettre la population victime de la spoliation et autres destructions méchantes de leurs champs, étant piscicoles, pilotes et étant dans leurs droits. La santé provinciale, comme recommandation de la santé provinciale. 1. Éteindre la présence de M. Wabidje Kassi-Kéo, gouverneur des provinces du Sud-Kivu, à la plénière de l'Assemblée provinciale, afin d'éclairer l'opinion sur l'exploitation illicite des minéraux en territoire des Mwenga. Deuxième recommandation, saisir le Sénat en lui demandant d'inviter le ministre national de la Défense et celui des Mines, évidemment pour justifier la présence des militaires FARDC dans les sites miniers à Mwenga, ainsi que la présence des sociétés minières qui ne sont pas en ordre avec le gouvernement. Troisième recommandation, s'impliquer pour que l'indemnisation des victimes des destructions méchantes des champs, plantations et piscicoles soit effective. Quatrième recommandation, demander au gouvernement de province du Sud-Kivu d'infliger des sanctions au service de l'État et sociétés chinoises et coopératives minières qui ont refusé de répondre à l'invitation de la commission d'enquête parlementaire. Enfin, diligenter d'autres missions d'enquête sur les
site sur l'exploitation des minéraux dans les autres territoires de la province, notamment à Wadungu, à Fizi et pourquoi pas à Calais. Partout où il y a des Chinois, même à Chaboum. Deuxième au gouvernement provincial, redynamiser la commission locale de suivi de l'activité minière, CLS en sigle. Appliquer sans faille le respect du code minier, forestier et foncier à toutes les sociétés et coopératives minières. Contraindre les sociétés et coopératives minières de reconstituer l'environnement détruit à la suite de l'exploitation minière ainsi que la réalisation des ponts endommagés par leurs véhicules. Prendre les dispositions pour le respect strict de l'arrêté du gouverneur suspendant les activités minières de certaines sociétés chinoises et leurs coopératives partenaires. Rappeler à l'ordre les services étatiques de l'État et vont dans le secteur minier. Retrouver et fournir les faits statistiques des produits miniers à Mwenga allant de 2019 à 2021. Amener SAIMAP et la coordination provinciale de l'environnement à jouer leur rôle tout en sanctionnant les responsables des dix services. Retracer et fournir les faits statistiques de production minière en moins de 2019 à 2021. Sanctionner les coopératives minières complices de l'exploitation illicite des minéraux. Veiller à la traçabilité des minéraux dans les territoires de Mwenga en particulier et la province du Kivu en général. Instruire le commandant régiment pour le retrait immédiat et sans condition des militaires dans les sites miniers. Rapatrier les sujets chinois non en ordre avec les services d'immigration. Contraindre les sociétés et les coopératives d'achever les travaux communautaires commencés. Instruire les sociétés chinoises d'indemniser les victimes de cette exploitation conformément à la loi. Quelles sont les recommandations? Enfin, votre commission vous demande d'adopter à l'unanimité ces rapports pour l'intérêt supérieur de notre province en particulier et de la question générale, au fin de sauver ce qui peut encore l'être dans un esprit de solidarité avec les victimes de cette exploitation illicite des minéraux au territoire de Mwenga. Et à vous les bénéfices. Lors du débat autour de ces rapports d'enquête, certains élus du peuple ont laissé attendre qu'il serait impérieux d'expulser les sujets chinois de la province du site Kivu, car ce que font ces derniers, c'est un pillage pur et simple. Comme la République démocratique du Congo est régie par la loi, les honorables députés veulent avoir des autorités des explications claires sur le séjour actuel de ces sujets chinois sur le territoire congolais, car ils peuvent être à séjour régulier ou irrégulier. Constatant la complicité à tous les niveaux, local, provincial et national, l'auguste assemblée a recommandé entre autres d'interpeller le gouverneur de province Teongwa Bidji Kasi à l'assemblée plénière afin de venir répondre à toutes ces questions virulentes de députés provinciaux en rapport avec l'exploitation illicite des minéraux à Mwenga et de déférer devant la justice les sociétés minières d'exploitation et leurs complices qui ne sont autres que les coopératives. Soulignons que ces coopératives sont utilisées par les Chinois à Mwenga pour leur servir de couverture car leur société n'étant pas en ordre et travaille dans l'illégalité.